création, ça permet de valider la fin de, deuxième cycle au conservatoire. Donc c'est un projet où on se réunit entre musiciens pour pouvoir recréer, arranger une ou plusieurs musiques qu'on aime bien et on présente ça à une audition en fin d'année. Du coup, on a 8 séances avec un groupe qu'on a défini où on prend des morceaux qu'on aime et on les réarrange, on les écrit, on compose tout ça, bref, pour que ça fasse un morceau. Puis on a un concert où on est évalué à la fin pour savoir si on valide notre passage en cycle 3 en formation musicale l'année prochaine. On se retrouve chacun, par petits groupes, les groupes qui préparent ensemble la recréation dans une salle. Et Marion, notre professeur, passe dans chaque salle pour voir comment on s'en sort et on travaille en autonomie. Voilà, on peut partir du morceau qui nous plaît, on peut aller dans différents styles, on peut varier tout ça. C'est assez libre et du coup c'est... En fait on compose un morceau tous ensemble. Ça dépend des groupes. Nous on s'est mis ensemble plutôt pour travailler autour du jazz. Et donc avec des instruments, avec les arrangements on peut intégrer n'importe quel instrument, mais là ça marchait bien ensemble. En somme, on a réuni trois styles, le classique, le jazz et le contemporain. C'est enrichissant de pouvoir travailler à plusieurs, ouais, de voir comment chacun évolue, on s'apporte des choses parce que certains arrivent mieux à chiffrer plein de choses. Oui. Et puis aussi, ça permet d'écrire et même de faire appel à son imagination pour lier tous ces morceaux. Et puis voilà, c'est vraiment super. Ouais, moi, je trouve que la musique, c'est toujours un plaisir à plusieurs. Donc bon, là, c'est cool. En plus, on se retrouve autour d'un thème qu'on aime bien, donc c'est sympa.